Good morgen, allez, Daniel, le sujet aujourd'hui, le Nishma Traester, Bat Miram, ainsi que le Rufo Atelier, le Nishma Traester, Khamchat Miram, Bat Rosenna, et Bin Ben Khbiba, Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez, vous aussi, une prochaine étude de Nishma, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étions dans Sachat Urovin, Prekret, Mishna Yud, Rabbi Eliezer, Ben Yaakov, Omer, Biv, Shehu Kamur, Arba Amot, Birshut, Harabim, Shofrin, Le Tocho, Maim, Beshabbat, Vachachamim, Omrim, Afilu, Gag, Oh! Chatser me'ama, lo ishpoch al pi abiv, aval shofer, migag le gag, vamaim yordim la biv. Et chatser ve'achsadra, misarfin le arba amot. On a, depuis la Mishnah précédente, on a commencé le sujet de évacuer l'eau de chez soi. Soit, depuis le début du Perek, on avait parlé de toutes différentes situations pour puiser de l'eau lorsqu'il y a un puits, lorsqu'il y a une source. Lorsqu'il y a un ruisseau qui passe par notre cour, est-ce qu'on a le droit de prendre, de quelle manière on pourrait permettre. Ça, c'était pour pouvoir s'apprivoiser, prendre de l'eau, quoi. Pour ensuite, maintenant, depuis maintenant la mission précédente, on a parlé comment évacuer l'eau. Une fois qu'on a fini d'utiliser l'eau, est-ce qu'on peut la verser? C'est quoi le problème? Si on a une cour, il n'y a aucun problème, tu verses dans ta cour. Le problème, c'est quand la cour, elle est trop petite. Alors quoi? Tu vas verser dans la cour, puis ça va naturellement couler sur le Rishut Arabim. Alors maintenant, le principe, on l'a déjà évoqué dans la mission précédente, on va le revoir cette fois-ci avec une petite nuance. Dans la mission précédente, on avait appris que par exemple, si on a une cour qui fait, il faut qu'il y ait une cour qui fasse 4 amotes sur 4 amotes pour une personne, comme ça. S'il y a de quoi, ça fait 4 amas sur 4 amas, alors la quantité qu'un homme utilise dans une journée, on avait vu que c'était Sa'ataim, 2 CA, une quantité d'eau. Du coup, lorsque tu verses dans ta cour, c'est censé se faire absorber dans cette surface. Et si finalement ça sort dehors, c'est pas grave, c'est plus ton action directement, c'est ton action indirectoire, tu pourras définir que ce que tu as fait, c'est de verser de l'eau ici. Et après, l'eau, elle a décidé de partir ailleurs, parce qu'il y avait une pente, parce que, peu importe, c'est plus ton action, c'est même plus Kocho, c'est même plus que tu... C'est plus ta force qui l'envoie là-bas, c'est une force indirecte, d'accord? Donc ça se déconnecte de toi, tu n'as plus fait... Voilà, ça c'était... Et on avait pris la solution... Aussi que si toutefois tu as une cour trop petite qui ne fait pas 4 amas sur 4 amas, ouais, 4 arba amot à l'arba amot, alors dans ce cas-là, il fallait faire creuser un trou, comme ça l'eau elle va pouvoir stagner. Et puis après, ça ne dérange plus, c'est important aussi, on avait précisé, si toutefois tu as creusé le trou et ça se remplit, puis maintenant tu vas continuer à rajouter de l'eau et ça va sortir dehors, malgré tout, c'est considéré que c'est ta force indirecte. D'accord? Il y a des choses dans du bord de droit que c'est un peu comme le maritime. C'est un problème qu'on a. Est-ce que quelqu'un qui regarde la scène, il voit que tu verses de l'eau dans la joute arabim? Et si tu verses de l'eau chez toi, dans ta cour, et que c'est censé se faire absorber ici, parce qu'il y a cette superficie, alors même si concrètement, cette fois-ci, il y avait déjà de l'eau et puis ça déborde, c'est plus ton action directement, c'est ton action indirecte et ça devient pas mal. D'accord? Maintenant, on va découvrir avec une nouvelle situation qui est le biv. Biv, c'est un. Rabbi Eliezer Ben Yaakov enseigne. Biv. Biv, c'est un tuyau. C'est un. Je sais pas comment dire, c'est pas un tuyau. C'est plus une sorte de tranchée, en fait. D'accord? C'est-à-dire que cette fois-ci, l'eau, elle va prendre une direction. Elle va se réunir au milieu, puis elle va couler. Donc, biv, shehu kamur, arba amot. Qui est recouvert de 4 amas, même. Birshut arabim, dans le Birshut arabim. Soit à la différence, d'abord on donne la lacha, shofrin et tocho maim beshabbat. Il nous dirait, les Yaakov, tu peux aussi verser de l'eau. Non. De l'eau. Pendant Shabbat. Soit, on a toujours le même principe de la Mishnah précédente, comme ce qu'on avait vu, qui a ton trou, tu l'as recouvert, parce que si tu l'as fait dans le Rishut Rabim, pour que ça soit plus Rishut Rabim, il faut le recouvrir comme ça, tu le recouvres sur une distance de 4 amotes, c'est censé maintenant se faire absorber, ce que tu as recouvert, c'est devenu un makom tour, et puis si l'eau finalement continue à s'évacuer ensuite, ça c'est plus ton action, toi, t'avais prévu les 4 amotes. À la différence du biv, c'est que cette fois-ci, là, c'est en pente, tout se réunit vers le milieu pour pouvoir mieux couler. C'est une sorte de tuyau naturel. D'accord? Malgré tout, les Arméniens, comme il te dit, écoute, il y a une largeur de 4 amotes, tu verses dedans, c'est censé se faire, ça peut se faire absorber, c'est bon, tu laisses couler. Dans les deux sens du terme. Tandis que, Rahamim nous disent, non, là ça marche plus. Je vous introduis d'abord le problème, après on va voir ça dans les mots. Rahamim dit, non, cette fois-ci, puisque maintenant c'est une fente, c'est fait en forme que ça s'écoule vers le milieu, donc c'est naturellement prévu pour que ça évacue l'eau loin. Ça ne se fait plus absorber dans 4 amotes. Ça peut même parcourir parfois même 100 amas. Et on verra toujours celui qui va être extérieur
à la Seine, il va regarder la Seine, il va voir de l'eau qui coule, il va tout de suite comprendre qu'il y a quelqu'un qui a jeté de l'eau de l'autre côté, là-bas, qui a versé de l'eau, il va voir que c'est ton action directe qui l'envoie dans le chute à Rabim. Et donc, même si ça fait 100 amas, c'est assourd. Donc, va Chachamim Omrim, Chachamim enseigne, a fait le gag, même un toit, au Khatser, ou une cour qui fait mea amas, 100 amas, gigantesque. Malgré tout, le Ishpor, Alpi, Abiv, tu ne pourras pas verser dans les, à l'endroit de l'évacuation naturelle parce que l'eau, elle se réunit là-bas pour ensuite mieux s'écouler. Mais, aval, chauffer, mi gag, les gag, il y a plusieurs manières de plusieurs versions sur la Mishnah. Littéralement, il y a marqué aval, chauffer, mi gag, les gag. Mais il pourra verser d'un toit à l'autre. En réalité, il y a un autre qui dit le tour rapporte chauffer à la gag, tu pourras verser le toit. Concrètement, vers Maïm Yurdin et la Bive, et après c'est pas grave si l'eau elle s'écoule naturellement vers l'évacuation. Je m'explique un petit peu mieux, c'est très simple. On va illustrer ça avec une situation concrète. C'est fréquent sur les toits, chez moi, au-dessus de chez moi, j'habite au dernier étage, sur le toit, ça se passe comme ça, lorsqu'il pleut, l'eau, elle tombe sur tout le toit, et il y a un trou d'évacuation qui va prendre cette eau, et là, finalement, ça va traverser tout l'immeuble. Et en bas, ça s'évacue dans l'allée. Il n'y a pas une évacuation. C'est pas réuni dans les égouts. C'est de l'eau de pluie. Donc, c'est pas traité. C'est juste c'est une manière d'évacuer que ça ne se termine pas sur le toit, proprement. Imaginez maintenant, je suis sur mon toit, à Shabbat, et je veux verser de l'eau. Je n'ai pas le droit de verser de l'eau directement dans le trou, parce que là, je vais le faire sortir depuis le Rishout Hayachid au Rishout Arabim. Puisque ça va s'évacuer sur la voie publique, ça tombe directement. Ça imbive. J'ai un tuyau. C'est le même principe, ça s'écoule directement. Mais la solution que la Michal me dit, c'est que quoi? Chauffer à la gague, je verse sur le toit, et après ça s'écoule, même si mon toit il est en pente concrètement. Mon toit il est en pente, puisque c'est prévu pour évacuer l'eau à travers ce trou d'évacuation. Malgré tout, moi je verse sur mon toit, et puis l'eau naturellement elle va dégouliner vers le tuyau, et puis après elle va sortir. Là, dans ce cas-là, ça n'est pas permis, parce que moi mon action c'était de faire quoi? De mettre sur le toit. D'accord? Et précision importante que je l'ai vu, que j'ai vu dans le, je ne sais plus si c'était dans Tifrat Israël, qu'on parle, bien sûr, on parle tout ça, lorsque je te dis de mettre dans une cour, on parle d'une cour où, qui est en terre, qui est censée absorber l'eau. Par contre, si tu as mis une cour, tu as mis dessus du parquet, ou tu as mis du carrelage, que maintenant l'eau va naturellement s'écouler, ça ne servira plus à rien de faire 4 amotes sur 4 amotes. Sauf si l'eau que tu verses, elle n'est pas censée sortir naturellement dans le champ d'abîme. Ça, c'est entre parenthèses. D'accord? Donc, c'est clair? Donc, je reprends. Dans la Mishnah tête, ce qu'on a vu dans la Mishnah précédente, c'était juste une cour, il y avait de la terre normale, c'est censé se faire absorber. Là, cette fois-ci, avec le bive, il y a une petite nuance, c'est que même si c'est une matière qui est peut-être censée absorber aussi, malgré tout, elle est naturellement conçue pour que ça s'écoule dehors, dans ce cas-là, on regarde ça, Chachamim considère qu'on voit ça que c'est ton action directe. De l'évacuer, donc ça redevient interdit. La solution, tu verses à côté, et ça va ensuite partir dans ce couloir d'évacuation, je sais pas comment dire, ce haritz, ce tuyau, et puis après, là, dans ce cas-là, ça redevient interdit. D'accord? Autre halakha de la Mishnah nous dit, « Echatzer ve'achsadra, mitztarfim le'arba amot. » Autre halakha qui a plus de rapport maintenant, qui est plus de rapport direct, qui me dit, « Echatzer ve'achsadra, la cour et Arsadra, c'est le balcon couvert. C'est le. Comment on dit, le portail. Je sais pas. C'est fréquent dans les maisons à l'époque. Lorsqu'on voulait entrer dans une maison, on rentrait pas depuis le découvert jusqu'à dans la maison. Il y avait la partie. Il y avait une cour. Il y avait ensuite un porche. Je crois que c'est le mot. Un porche comme ça qui était couvert. Qui était devant la porte d'entrée. Qui faisait peut-être deux hamas comme ça, qui était couvert. Et puis le parvis. Je crois. Et puis après, on entrait dans la maison. La Mishnah me dit, tu sais, quand je te demande de calculer 4 amot de Khatser, c'est pas la peine d'avoir 4 amot qui soient découverts complètement. Même la partie qui se retrouve déjà dans la cour, mais qui est couverte, ça s'additionne pour calculer les 4 amas sur 4 amas, que si tu as la quantité de 4, si tu as la superficie de 4 amas sur 4 amas, alors tu pourras verser ton eau dedans parce qu'elle est censée se faire absorber, même s'il y a une partie de cette cour qui est couverte, c'est pas grave. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.